Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Comme vous le savez, en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonner pour activer la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo témoignage puissant 4. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour notre témoignage extraordinaire. C'est tout simplement témoignage puissant 3. Si vous voulez savoir ce qui s'est réalisé ou encore ce qui s'est passé précédemment, regardez également la vidéo. Nous avons parlé de témoignage puissant 2. Témoignage puissant 1 et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Nous avons 16 puissants témoignages à traiter aujourd'hui, ou du moins, si on serait bonne, ce mois. Alors, soyez prêts, restez toujours connectés parce que vous allez découvrir des choses exceptionnelles. Ce soir, pour commencer, nous allons tout simplement vous faire découvrir des choses vraiment graves qui se produisent dans notre société. Ici, nous allons voir un homme qui est un sataniste avec une sirène faire leurs activités. Mais les activités que ces gens-là vont mener vont mettre en danger la vie de beaucoup de personnes ou encore de beaucoup de femmes. Pourquoi? Écoutons ce témoignage et découvrons ensemble ce qui va se passer. Alors soyez prêts. Let's go. Salut bien-aimé. Aujourd'hui, je veux parler du second aspect de ma mission comme agent du monde des eaux. Dans le premier aspect de ma mission en tant qu'agent de la sirène des eaux, je couchais avec 10 à 15 femmes par jour et la sirène des eaux capturait la destinée de ces femmes grâce à leurs odeurs. La sirène capturait ces odeurs et les transportait dans le monde marin sous l'eau et elle soufflait ces odeurs à l'intérieur de miroirs mystiques à partir duquel elle contrôlait la vie de ces femmes. Mais dans le second aspect de ma mission en tant qu'agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait de semences en moi. Puis j'allais coucher avec les femmes, et à mon tour je déposais ces semences de la sirène en eux. Avant. Est-ce que vous comprenez? Cet homme, son travail, c'est de coucher avec plusieurs filles et de mettre des démons en ces filles-là. Et de capturer également leurs étoiles pour qui la sirène, qui est sa patronne. Mes frères et sœurs, il tue des filles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, afin d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, franchement, il faut faire attention. Il faut se marier d'abord. C'est ce que Dieu a dit. Et ici, on comprend clairement que Dieu n'a pas fait mal. C'est-à-dire, il n'a pas pensé mauvais, n'a pas mal fait de dire qu'il faut se marier avant d'avoir des rapports sexuels. C'est pour éviter toutes ces histoires-là que Dieu lui-même nous a parlé ainsi. Mais le diable a créé une société où les gens ont des rapports sexuels en mariage. Et voici le danger auquel les gens sont exposés. Écoutez encore, cette fois vous allez découvrir vous-même ce qui va se passer. Et vous serez vraiment étonné. Si vous êtes étonné, laissez un j'aime. Mais changez vos voies et prenez de bonnes décisions dans votre vie qui vont vraiment vous sauver la vie. Écoutons-le s'il vous plaît. Capturer ces odeurs et les transporter dans le monde marin sous l'eau et elle soufflait ces odeurs à l'intérieur de miroirs mystiques à partir duquel elle contrôlait la vie de ces femmes. Mais dans le second aspect de ma mission en tant qu'agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait de semences en moi. Puis j'allais coucher avec les femmes, et à mon tour je déposais ces semences de la sirène en eux. Avant d'aller exécuter ma mission qui consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour, je couchais avec la sirène qui déposait en moi deux semences, qui sont la semence du serpent et la semence de l'escargot. Je veux commencer ce témoignage par la semence du serpent spirituel qui était un serpent à deux têtes. En fait, à chaque fois que je couchais avec une femme, je la transférais un serpent en deux têtes par la voie de son sexe. Le serpent entrait le corps de la femme par son sexe. Et ce serpent à deux têtes résidait et se positionnait dans le sexe de la femme, et la tête de ce serpent était positionnée dans l'orifice vaginal de la femme. Par conséquent, l'organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien-aimé, il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent, et tout homme qui couche avec ces femmes, son organe génital peut naître la tête du serpent et il y avait des conséquences. Oh! À ce niveau, déjà, nous pouvons voir que l'heure est grave, l'affaire là, c'est grave. Est-ce que toi tu vas voir que le sexe de cette femme là, c'est un serpent? Non. Mais il y a quelque chose de grave qui se passe là. Et toi tu as des rapports sexuels avec elle. Hey! Avant de se marier à une fille là, il faut l'amener chez un vrai homme de Dieu, qu'on puisse voir son état d'âme, ou même toi-même, il faut prier Dieu va te montrer son état d'âme. Il y a plusieurs paramètres
avoir avant d'aller avec une fille. D'abord le mariage, son état d'âme, tout ça, vous avez vu avant, et puis tu te maries avec elle. Et tu peux avoir maintenant des rapports sexuels. Mais si tu veux enfreindre aux lois établies par Dieu, tu vas rencontrer une femme dont l'appareil génital, c'est un serpent à la tête d'un serpent. Et quand tu vas mettre ton sexe à l'intérieur, qu'est-ce qui va t'arriver? Écoutons-le encore, bon, ça va plus. Ça va être chaud, hein? La tête du serpent. Bien-aimé, il y a ce serpent à deux têtes recidait et se positionnait dans le sexe de la femme, et la tête de ce serpent était positionnée dans l'orifice vaginal de la femme. Par conséquent, l'organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien-aimé, il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent. Et tout homme qui couche avec ces femmes, son organe génital peut naître la tête du serpent et il y avait des conséquences. Quand tu couches avec une femme dont l'organe génital est la tête du serpent, tu seras affecté et envoûté. En fait, ce serpent à deux têtes qui se positionne dans l'organe génital de la femme capture les étoiles, les chances et les destinées de ceux qui couchent avec ces femmes. À chaque fois que le corps d'un homme pénètre l'organe génital de la femme, il pénétrait dans la bouche du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Ce qui est vrai est que le serpent à deux têtes capturait et dévorait les chances, les étoiles et les richesses de tous ceux qui couchaient avec ces femmes. Beaucoup de vies et de destinées ont été détruites et compromises à cause de l'impudicité et du rapport sexuel illégal. À cause de la jouissance et plaisir sexuel, la vie de beaucoup d'hommes et des femmes sont détruites. Le jouissance sexuelle lors du mariage est extrêmement dangereux. Raison pour laquelle la Bible dit fuyez l'impudicité. Beaucoup ont détruit leur vie à cause du plaisir sexuel. Bien-aimé, si par imprudence tu couches avec ce genre de femme, votre destinée et votre avenir sont capturés et compromis, et ce qui reste, c'est la pauvreté et la souffrance. J'ai dit que ce serpent avait deux têtes. La première tête du serpent se positionnait dans l'orifice vaginal de la femme, tandis que la seconde tête du serpent se positionnait et résidait dans les organes de conception de la femme, exactement là où le bébé réside. Parfois ce serpent tuait le bébé de la femme, mais souvent le serpent laissait le bébé vivre pour lui mordre plus tard, et comme résultat de la morsure du serpent, le bébé va naître soit avec des problèmes cérébraux, ou avec des comportements incontrôlables. Je veux vous avertir, chers chrétiens, de ne pas accepter tout ce qui vous arrive dans la vie. Beaucoup de chrétiens acceptent des situations démoniaques dans le prétexte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nombreux sont ceux qui disent qu'il faut rendre gloire à Dieu car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Il ne faut pas adopter cette mentalité. Les choses que vous acceptez dans votre vie vont demeurer et persister. Les choses que vous refusez vont finir par vous quitter. Le royaume de Satan opère des échanges dans la vie de beaucoup des gens. Ils prennent l'original que Dieu les a donné pour les laisser un contreban. Ceci est appelé échange. Ils vont voler l'original pour vous laisser le faux. Raison pour laquelle la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand vous remarquez que votre fils ou fille manifeste des comportements insupportables, il ne faut pas le tolérer. Il faut chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. La Bible dit, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, une fois que j'ai couché avec une femme, j'ai déposé le serpent à deux têtes en elle par la voie sexuelle, et la première tête du serpent résidait dans son organe génital pour capturer les chances, les richesses et les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle. Et la seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de cette femme. La seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de la femme. Et le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui vont coucher avec elle, afin de la tenir dans la stérilité. Deuxièmement, ce serpent avait pour but d'interrompre la grossesse et causer les fausses couches. Troisièmement, ce serpent spirituel perturbait les périodes mensuelles de la femme en le rendant douloureuse. Enfin, le serpent va soit mordre ou tuer les bébés. Il y a des enfants qui naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et insupportables. Cela à cause de la morsure du serpent. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts à cause du venin du serpent. Une fois que je couche avec une femme et je la transmets la semence du serpent, cette femme perdra sa beauté et sa fraîcheur. Elle sentira comme si quelque chose bouge à l'intérieur de son corps. Elle aura de la nausée. Finalement, elle sera habitée et influencée par un puissant désir de dormir avec les hommes. Elle ne parviendra pas à maîtriser ce désir sexuel. Ceux-ci sont les effets et les conséquences que vont expérimenter les femmes et hommes qui transportent le serpent en eux. La deuxième semence que je transmettais aux femmes qui couchaient avec moi était l'escargot qui causait divers maladies à ces femmes. Il y a des hommes et des femmes qui ont en eux des éléments et des corps étrangers. Ils doivent être délivrés autrement ils vont continuer à souffrir. Ceci est un avertissement aux hommes et femmes qui vivent dans l'impudicité.
Vous risquez de coucher avec un homme ou une femme dont l'organe sexuel est un serpent qui va dévorer et capturer vos chances, votre étoile et vos richesses. Il y a des hommes et de femmes dont l'organe génital sont des serpents destructeurs. Ma troisième mission consistait à combattre l'Église de Jésus-Christ et les chrétiens, mais c'était pas facile. Par conséquent, la sirène m'exigea de voyager dans le monde des eaux pour être armée afin que je sois à mesure d'accomplir mes obligations et tâches efficacement. Premièrement, nous devrions aller au cimetière où je devais coucher avec une femme qui était morte il y a plusieurs années. Quand le jour J arriva, je me déshabilla, et la sirène me tenut par la main, et en un clin d'œil nous avons changé d'endroit. En fait, nous avons atterri dans le cimetière local. Il était minuit et il faisait trop noir. Je pensais que nous étions seuls, mais à ma grande surprise, j'ai vu une foule de gens dans le cimetière. J'ai vu des célébrités musicales, des politiciens et gens que nous regardons à la télévision. Nous étions tout nus. Puis j'ai remarqué un bon nombre de voitures luxe. J'ai donc demandé à la sirène à qui appartenaient ces voitures. Elle me répondit que ces voitures appartenaient aux morts, je veux dire aux revenants. La sirène m'y informa que chaque nuit, surtout le veille, quand les morts ou les revenants quittent le monde du cimetière avec leurs voitures luxe, ils vont se détendre dans les bars, les boîtes de nuit et ils couchent avec les femmes et hommes dans les hôtels. La sirène me dit que les voitures luxe que je voyais étaient en réalité des cercueils. Au fait, les revenants sont des hommes qui sont morts avant leur temps, puisque Dieu a déterminé pour chaque être humain les nombres des années à vivre sur la terre. Mais nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Soit leurs vies sont interrompues grâce à la sorcellerie ou le sacrifice humain, ils ne peuvent pas aller au séjour de mort. Par conséquent, ils deviennent des esprits servant au service du royaume de Satan. Beaucoup des belles voitures que nous voyons dans le boulevard sont des cercueils, et leurs conducteurs sont des morts ou des revenants qui viennent sur la terre pour se détendre dans le bar, les boîtes de nuit et les hôtels. Certaines personnes que nous voyons à la rue ne sont pas des hommes normaux, ce sont des revenants des morts. Ceux qui sont dans le style de vie qui consiste à fréquenter les boîtes de nuit et dormir avec les hommes tombent victimes de ces revenants, qui apparaissent le soir pour disparaître le matin. Je disais que j'étais dans le cimetière à minuit avec ma femme la sirène des eaux et il y avait une foule de gens là-bas. Ces gens étaient des hommes ordinaires à la recherche du pouvoir, du succès et de la richesse. Chacun de ces gens avait reçu de prescriptions contenant des instructions de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de servir Satan car il y a des gens qui devaient coucher avec les cadavres enterrés. Alors que nous étions là, tout à coup j'ai entendu comme le coup de sifflet. Puis j'ai vu la foule former deux lignes. La première ligne était celle des hommes et la seconde était celle des femmes. Nous étions tous debout et nus dans ces lignes. Puis j'ai vu un démon humanoïde de courte taille se tenir au-dessus d'une tombe devant la foule. Il avait les barbes qui descendaient jusqu'au sol. J'ai vu ce démon frapper la tombe où il se tenait avec un fouet. Et comme résultat, une femme qui est morte il y a plusieurs années est sortie de cette tombe. Elle était nue. Nous étions tous supposés coucher avec ce femme revenant à l'intérieur de sa tombe à tour de rôle. Les femmes qui étaient nues dans leur ligne étaient supposées coucher avec un homme qui était mort il y a plusieurs années comme nous à tour de rôle. J'étais effrayé d'assister et voir ce spectacle macabre. Puis un homme qui était un musicien populaire dans notre pays dont j'étais le nom me dit, « Joseph, je vois que c'est ta première fois de participer à ce rituel. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Les paroles de cet homme me rassura. Au fur et à mesure que j'ai dialogué avec ce musicien, notre ligne devait courir pendant que les gens couchaient à tour de rôle avec cette femme revenant. Mais pendant que j'étais en train de dialoguer avec le musicien, j'entendis une voix qui retentit dans le ciel en disant, « C'est l'aurore. C'est l'aurore. » Une fois que cette voix retentit dans l'espace, c'était la débandade. Tout le monde était en fuite. Au fait, les activités des sorciers s'arrêtent quand il est matin vers l'aurore, et quand ils y aurorent, j'ai vu avec mes yeux les sorciers qui s'enfuyaient en volant avec vitesse comme des missiles. Le ténèbre ne peut pas supporter la lumière. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui arriva au monsieur qui était en train de coucher avec le revenant quand la voix retentit dans l'espace. Pendant que j'observais ces sorciers qui s'envolaient dans l'espace, ma femme la sirène me tenut par la main et en un clin d'œil nous avons atterri à la maison chez nous. Puis la sirène me dit, « Joseph, quelque chose ne va pas avec toi. Je n'ai jamais amené quelqu'un au cimetière et ramené la personne à la maison sans avoir achevé ce rituel. » Puis un jour le matin, un ami est venu me informer qu'il y avait deuil dans le quartier et donc j'étais censé assister à ce funérail. Je lui ai promis de marquer ma présence. Alors que je me préparais à aller assister au funérail, ma femme la sirène proposa de venir avec moi physiquement. J'ai contesté à cela. En fait, à chaque fois que j'ai marché avec elle, elle était invisible mais je pouvais la voir. Mais souvent elle était physique et les gens s'étonnaient de sa beauté, mais sa proposition de venir physiquement assister aux funérailles avec moi je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, « Vous êtes tellement jolie que vous attirez toujours l'attention des gens à cause de votre beauté.
mais elle m'a fait pression afin que je puisse lui permettre de venir avec moi physiquement. Nous sommes donc allés au lit de mon ami qui avait perdu son pr. Déjà dans la rue, le gens était émerveillé par sa beauté. Puis nous sommes arrivés aux funérailles, mais quelque chose se passa là-bas. J'avais une copine dans le passé qui s'appelait Catherine. Nous avons déjà rompu cette relation, mais quand ses amis dans les funérailles m'ont vu avec la sirène, elles sont allées informer Catherine que le m'avait vu avec une femme aux funérailles. Elles lui ont dit: nous avons vu votre petite amie dans les funérailles avec une très belle femme. Lorsque Catherine a appris ceci, elle se mit en colère, bien que ma relation avec elle n'existait plus, et elle se précipita pour nous joindre aux funérailles. Ensuite elle agressa la sirène. Elle pensait qu'elle avait affaire à un être humain ordinaire. Elle se mit à insulter la sirène, et elle jeta du sable à la sirène pour l'humilier publiquement. Ses amis tentèrent de la supplier mais en vain. Quand nous avons quitté le funérail, la sirène qui était en colère me dit: « Je le jure, je vais faire payer votre ancienne copine pour l'humiliation qu'elle m'a fait subir. Votre ancienne amie Catherine m'a humilié publiquement. Je suis une princesse de la famille royale. Elle ne peut pas me soumettre à ce genre de traitement. Tu dois savoir que la vie de copine est finie. Elle va mourir. » Au fait, lorsque j'ai vu Catherine agresser la sirène, je savais qu'elle allait payer avec sa vie. Car cette sirène vient d'une famille royale du monde sous-marin. Elle est donc très puissante. Il était 11 h la nuit quand je fus réveillée de mon sommeil par ma femme la sirène. Quand je me suis réveillée, c'est comme si j'étais en train de dormir dans la brousse, bien que je me t'ai endormie dans notre maison. La maison a été transformée, et était devenue différente. Puis j'ai vu la sirène qui tenait un couteau antique ayant des écritures mystérieuses semblables à l'écriture égyptienne. Elle frappa sa main sur le mur de la maison et un miroir mystique et antique apparut. J'ai vu les images de Catherine apparaître dans ce miroir magique. Elle était en train de dormir dans son lit. Puis la sirène a commencé à appeler Catherine, pendant qu'elle appelait son nom. Catherine commença à faire des mouvements, puis Catherine s'est réveillée. Je regardais tout ceci dans le miroir magique. Alors la sirène prit son couteau antique et elle a poignardé Catherine à mort, et le sang de ma copine Catherine a commencé à couler. Puis la sirène apporta quelque chose comme une calebasse. Elle était en train de cueillir le sang de Catherine qui coulait dans ce miroir mystique, et quand cette calebasse était remplie du sang de Catherine, la sirène a bu le sang de Catherine qui remplissait cette calebasse. Et puis elle me passa la calebasse et me demanda de boire. J'ai donc bu le sang de ma copine. Puis la sirène me dit: votre ancienne copine Catherine qui osa m'humilier publiquement est morte. Vous allez entendre la nouvelle de sa mort le matin. Puis la sirène souffla sur moi et je m'endormis jusqu'au matin. Lorsque je me suis réveillée le matin, un ami est venu m'informer de la mort de Catherine. La famille ne comprenait rien. Ils ont vu le corps de Catherine dans sa chambre. Elle saignait et son cœur était ouvert. Elle saignait dans le nez et les oreilles. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Je me suis rappelé de ce qui se passait dans la nuit, et quand mon ami me donnait la nouvelle de la mort de Catherine, ma femme la sirène des eaux était debout à mon côté. Je pouvais la voir mais mon ami ne pouvait pas. Le problème de Catherine était qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle était sans protection et exposée. Quelques jours après, la sirène me dit que nous allons effectuer une visite à l'hôpital pour voir les malades. En fait, Lucifer est très actif dans les hôpitaux. C'est un lieu d'activité démoniaque. Le responsable de cette visite était un prêtre catholique. Il faisait comme une charité en donnant aux gens de la nourriture et des vêtements tout en capturant leurs âmes. Beaucoup de choses se produisent à l'hôpital. Je conseillerais aux femmes après avoir donné naissance de ne pas permettre au médecin de vous séparer avec votre bébé parce que vous ne savez pas ce que ce médecin fait à votre bébé. Est-ce que vous avez entendu? Le diable qui fait des jeux de charité tout en captivant l'âme des gens. Ça veut dire quoi? Il vient et il donne des cadeaux aux gens. Ah! Vous allez voir des organisations qui vont venir pour dire qu'ils veulent faire des cadeaux aux affamés, aux orphelins. Alors que tous les cadeaux qu'ils font là, en fait, ce sont les âmes des gens qui sont en train de prendre comme ça. Les âmes de tous ceux qui vont tout simplement recevoir ce cadeau. Waouh! Mais c'est incroyable, mes frères et sœurs. Vous avez entendu en même temps que nous. Écoutons. En fait, Lucifer est très actif dans les hôpitaux. C'est un lieu d'activité démoniaque. Le responsable de cette visite était un prêtre catholique. Il faisait comme une charité en donnant aux gens de la nourriture et des vêtements tout en capturant leurs âmes. Beaucoup de choses se produisent à l'hôpital. Je conseillerais aux femmes après avoir donné naissance de ne pas permettre au médecin de vous séparer avec votre bébé parce que vous ne savez pas ce que ce médecin fait à votre bébé. Dans cette visite à l'hôpital, le prêtre était en train de oindre les malades et ceci entraînait leur mort et leurs étoiles étaient volées.
La sirène était là pour capturer les âmes de malades qui étaient tuées par les rituels du prêtre catholique. Et la nuit avant de voyager sous l'eau, la sirène me montrait les âmes des gens qui étaient capturés à l'hôpital. Elle me disait qu'elle les transférait dans le royaume marin, à part le fait que la sirène travaillait avec le prêtre catholique pour collecter les âmes à l'hôpital. Elle visitait aussi les enfants qui venaient d'être initiés à la sorcellerie. Au fait, beaucoup des enfants contractent la sorcellerie par la nourriture. Le royaume des ténèbres travaillait avec des enfants sorciers qui ont la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans les écoles et dans leur milieu. Puisque la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande humaine mystique, on leur demande de rembourser la viande qu'ils ont mangée quand ils étaient initiés. De ce fait, ils doivent donc choisir ou pointer un membre de leur famille comme sacrifice afin de rembourser la viande humaine qu'ils ont mangée. Et le travail de la sirène consistait à rafler les âmes dont les enfants qui sont nouvellement initiés offraient comme sacrifice. La capture et le rafle de ces âmes à l'hôpital et de victimes de sacrifices humains était le travail de cette sirène des eaux qui était ma femme. Après avoir capturé et raflé ces âmes, la sirène les emmenait au royaume sous-marin la nuit. Comme je l'ai dit, ma mission était de dormir avec 10 à 15 femmes par jour. La sirène était supposée captiver leurs odeurs à partir de laquelle elle était en mesure de contrôler leur vie au travers des miroirs mystiques. Pendant que je couchais avec des femmes dans le cadre de ma mission, un jour je suis tombé amoureux d'une fille bien que je vivais avec la sirène. Un de ces jours je voulais visiter ma nouvelle copine, j'ai donc menti à la sirène que je voulais rendre visite à mes parents et je reviendrai le lendemain. La sirène accepta, je ne savais pas qu'elle était informée et elle était au courant de ma relation avec cette fille. Elle savait que je lui avais menti, mais elle fit semblant et me laissa aller visiter ma nouvelle copine. Cher chrétien, une fois que vous êtes contrôlé par le monde des eaux, vous serez surveillé dans un miroir ou un tableau magique. Je suis donc allé voir ma copine, nous avons passé du thé en spam mangeant et buvant, et avant de dormir nous avons eu relation sexuelle, mais à 2 h du matin, j'ai remarqué de l'eau autour de moi et au lit. Je ne savais pas que cette femme était une sorcière, et elle avait l'habitude de pisser au lit quand elle sortait de son corps dans le voyage astral. J'étais étonné et déçu de constater que ma nouvelle copine avait l'habitude de pisser au lit. Et quand je lui ai demandé, elle a catégoriquement nié que c'est elle qui a fait pipi au lit. Plus tard dans la nuit, cette dame a pris une forme diabolique et monstrueuse pour me détruire. Elle était devenue comme un vampire avec de longs ongles et des dents pointues et tranchants. Elle se mit à avancer vers moi pour me dévorer. C'est alors qu'un vent violent et puissant se mit à souffler dans la chambre. Ceci était l'arrivée de ma femme, la sirène des eaux. Elle a atterri dans cette chambre à un clin d'œil, et elle a atterri précisément entre moi et la sorcière vampire comme une missile. Puis la sirène questionna la dame sorcière, elle lui demanda, « Qu'est-ce que vous essayez de faire à mon mari ?» Alors ma femme, la sirène et la sorcière ont commencé à quereller, mais ce qui suit fut une épreuve et un test puissance entre la sirène des eaux et la sorcière vampire. Il était apparent que la sorcière était neutralisée par la sirène qui était trop puissante pour elle, puis la sirène ordonna à cette dame sorcière de s'agenouiller, mais la sorcière qui avait l'air d'un voleur surpris en action était remplie de honte. Elle voulait bouder la sirène. Alors la sirène lui dit, « Si tu ne t'agenouilles pas maintenant même je vais te tuer. » Mais la sorcière faisait semblant d'ignorer la sirène. Puis la sirène répéta son ordre et dit, « Pour une dernière fois je vous donne l'ordre, agenouillez-vous maintenant ou vous êtes mort. » La sirène était sur le point de tuer cette femme sorcière lorsque soudainement elle a reçu une communication, un appel du monde sous-marin. Elle fut instruite de ne pas tuer la sorcière car elle est un agent en mission. Alors j'ai entendu la sirène dire à cette sorcière, « Vous avez de la chance. Je viens d'être informé par la direction générale que vous êtes en affectation, autrement je vous aurais tué, bien aimé. Permettez-moi de vous dire que le royaume de Lucifer n'est pas divisé, il coordonne ce qui se passe entre leur agent et travailleur. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Après cette communication, la sirène ordonna à la sorcière de revenir à sa forme humaine normale. J'ai vu la sorcière quitter sa forme monstrueuse de vampire et reprendre la forme humaine. Et la sirène la chassa. J'ai donc ouvert la porte et la sorcière est sortie. Mon voyage dans le monde de sirène sous l'eau, quelque temps après. La sirène me dit, « Joseph, vous échouez dans presque tous les missions et tâches que nous vous confions. De ce fait mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer. » Afin que vous puissiez apprendre et être armés, il y a une femme qui est une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville, elle est responsable d'un serpent qui est un démon, nous allons la visiter, et là-bas vous serez avalé par ce serpent qui va vous vomir sous la mer dans notre royaume sous-marin. Mais cette procédure n'avait pas marché, il y avait une force qui empêcha ce serpent de m'avaler,
En fait, cette serpent était un démon, mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume sous-marin sous la mer. Plusieurs jours plus tard, c'était le mercredi à 3 h du matin, elle me demanda de me déshabiller, et puis elle a tenu ma main, et dans une fraction de seconde nous avons atterri à la rive du fleuve Congo. Il était 3 h du matin dans l'obscurité, mais je pus reconnaître l'endroit. Mais j'ai remarqué que je n'étais pas seul car il y avait beaucoup de gens nus comme moi à cette heure de la nuit. Je connaissais très bien l'endroit où nous étions bien que cet être noir. Et je savais que la voie fluviale n'était pas navigable ici. Alors j'étais surpris lorsque la sirène m'y informa qu'un bateau était supposé émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le son d'une navire. J'avais les yeux bien ouverts et curieux. Puis j'ai vu une navire massif beaucoup plus grand que le Titanic, et plus beau que les bateaux dont nous avons sur la terre. Ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo. La navire était si glorieux et magnifique que beaucoup de gens se sont effondrés sur le sol à cause de l'émotion. Puis j'ai vu trois entités démoniaques qui n'avaient pas de visage sortir du bateau. Nous fûmes tous embarqués. Le bateau submergea profondément le fleuve. Les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique. Nous étions témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure. Dans ce bateau, il n'y avait pas seulement des Congolais, il y avait des Européens, des Chinois, des Indiens, des Américains et toutes les races de la Terre. Puis après seulement quelques secondes du voyage, nous avons commencé à voir des villes métropolitaines massives. On voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses civilisations avancées sous la mer. Je voyais des êtres humains ordinaires. Puis j'ai vu des gens qui étaient à moitié hommes et à moitié poissons. Et finalement nous sommes arrivés dans l'embarquement. Et nous avons tous débarqué. Nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine, un royaume mystérieux. Mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène. Puis soudainement ma femme la sirène était apparue. Elle était ravie de me voir dans son univers. Elle m'embrassa et dit, « Joseph, je suis très heureux et que vous êtes finalement arrivé dans notre royaume. » Et elle appela un homme dont la lartie inférieure poisson. Cet homme était extrêmement beau. Il était le frère de ma femme la sirène. Alors ma femme a dit à son frère, aidez mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes, y compris nos infrastructures, nos usines, nos entreprises et nos industries. Alors nous sommes entrés dans un capsule qui ressemblait à un navire, qui était utilisé comme une voiture dans ce monde sous-marin. Nous avons visité la famille royale, et les dynasties qui gèrent des industries de production des divers articles que nous utilisons à la surface de la Terre, comme le lotion, le savon et le produit de beauté. Nous avons aussi cité des usines de fabrication de bijouterie, des vêtements et de produits de maquillage, et notre visite continua. Nous sommes arrivés dans un endroit où je voyais de personnes arrêtées et incarcérées. Je fus informé que ces hommes ont été capturés par le royaume de l'obscurité sur la terre. Ce sont des gens qui ont disparu sur la terre de façon mystique. Parfois ces gens réapparaissent sur la terre. Ces personnes sont retenues sous la mer. Je les ai vus avec mes propres yeux. En fait, il y a des gens qui sont capturés sur la terre. Ils sont emprisonnés sous la mer, mais qui sont remplacés sur la terre par des démons. Les démons prennent la forme et la ressemblance de ces captifs, et montent à la surface de la terre pour y vivre avec l'identité de ces captifs retenus dans le monde des eaux. Ces démons physiques les ressemblent. Ils parlent comme eux, mais les véritables personnes sont incarcérées. C'est de cette façon que les démons viennent sur la terre physiquement, et ces démons sont confondus par les familles de captifs retenus sous l'eau dans le monde sous-marin. Ils sont donc intégrés et acceptés dans ces familles. Mais avec observation et discernement vous allez remarquer des incohérences et des attitudes qui ne se rapportent pas à votre vrai frère ou sœur retenu captif sous l'eau. Certaines de ces personnes retenues captives ne sont pas mortes. Elles ont juste disparu sur terre et sont esclaves dans le monde des eaux. Mais les démons les ont remplacées à la surface de la terre. Ils ont pris leur forme et ils sont allés dans leur famille. Après la visite des centres de détention et des prisons, nous avons continué notre visite du monde sous-marin. Puis j'ai vu une foule de personnes assises dans une salle ayant la forme d'auditoire de l'université. C'était en fait une réunion de sorciers, et cette réunion était animée et conduite par un démon hybride. Il dispensait la connaissance mystique et ésotérique à l'ensemble. J'étais curieux et je regardais par la fenêtre de cet auditoire ce qui se passait, quand soudainement le démon hybride qui dispensait les connaissances mystérieuses atterrit derrière moi un clin d'œil. Le démon m'y invita à joindre la foule à l'intérieur de l'auditoire car j'étais curieux. Et donc j'ai pris place dans cette salle de réunion au milieu de ces gens qui étaient des sorciers, et qui suivaient ce cours dispensé par le démon hybride. Ce démon enseignait le mystère de la sorcellerie et comment devenir un mari ou une femme de nuit.
Je t'ai étonné parce que je pensais que la femme et le mari de nuit n'étaient que le démon incubus et succubus, mais le participant de ce réunion était enseigné par le démon à fonctionner et opérer comme des femmes et des maris de nuit, donc même les êtres humains qui sont des sorciers peuvent molester les gens sexuellement dans leurs rêves, non seulement le démon. Il y a donc des hommes comme toi et moi qui viennent molester et violer les gens dans leurs rêves. Dans ce phénomène des femmes et maris de nuit, nous avons affaire à des démons, mais surtout aux humains sorciers qui s'unissent aux hommes et femmes dans des alliances maritales sans leur consentement afin de les molester et abuser sexuellement. Quand tu es marié spirituellement à un esprit des eaux ou à un sorcier, il vous considère comme son conjoint légal, et il fera en sorte que vous ne soyez pas marié physiquement. Vous allez donc demeurer célibataire dans le monde physique puisque vous êtes déjà marié dans le monde invisible. Votre partenaire spirituel va donc régulièrement utiliser votre corps sexuellement, et il va même déposer les odeurs dans votre corps pour que quand les hommes physiques viendront vers vous qu'ils soient repoussés par cette odeur. Il y a des hommes et les femmes ayant les problèmes d'odeur bien qu'ils sont propres. Il faut noter que les femmes et maris de nuit travaillent avec l'esprit de célibat, et même si vous êtes parvenu à vous marier, sachez que votre mari de nuit ne lâchera pas. En réalité, se marier physiquement est considéré par votre partenaire invisible comme une provocation à la jalousie et au conflit. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui viennent au mariage ayant des femmes et des maris de nuit comme partenaires. Ceci est un problème très dangereux, puisque leurs partenaires d'invisibles qui sont leurs femmes et maris de nuit vont combattre ces mariages, raison pour laquelle beaucoup des églises recommandent l'homme et la femme passent par la délivrance avant la bénédiction nuptiale. Si par imprudence tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, tu dois comprendre que la bataille entre toi et son mari de nuit vient de commencer. Ce que je te dis, je les ai appris dans l'école de la sorcellerie dans le monde des eaux. Alors prêtez attention, si tu es marié à une femme qui a un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura comme priorité la destruction de votre mariage, puisqu'il considère que vous êtes marié à sa femme. Il va donc commencer par attaquer la source de ton revenu, je veux dire ton travail, afin de causer les difficultés financières dans votre foyer. Si tu travailles et puis tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, sachez-le que le mari invisible de votre femme va attaquer votre travail afin que vous ne soyez pas à mesure de prendre soin de votre femme qu'il considère comme sa femme, et aussi afin de causer votre femme qu'il considère comme le sien de vous quitter à cause de ses difficultés financières. Juste après votre mariage, les difficultés financières vont commencer. Il sait que votre femme ne va pas tolérer la pauvreté pour longtemps. Beaucoup des gens entrent en mariage ayant des partenaires spirituels. Le mari de nuit ne va tolérer votre mari. La femme de nuit va détester votre femme. La femme de nuit va influencer votre femme à la rébellion, avec comme objectif final le divorce. Après avoir attaqué le travail ou le revenu de votre mari, le mari de nuit va attaquer l'organe sexuel de votre mari qui ne pourra plus vous satisfaire au lit. Waouh! Est-ce que vous attendez ce que nous sommes en train d'attendre? Ces choses sont réelles et ça vient du monde des eaux. C'est pourquoi quand vous priez, vous devez dire « Seigneur mon Dieu, toutes les forces du monde des ténèbres, toutes les forces du monde des ténèbres, même du monde des eaux qui me combattent, que toi-même Seigneur tu te charges de ce soir et détruis tous les liens qui me lient aux yeux du monde des ténèbres. » C'est important! Avant de dormir, chaque nuit avant de dormir, priez comme ça pour combattre ce mari de nuit ou cette femme de nuit qui veut vous visiter afin d'éviter toutes ces choses. Ah, mes frères et sœurs, ce témoignage est tellement puissant que nous devons encore découvrir des choses cachées. Écoutons ce témoignage pour découvrir des choses vraiment qui vont nous étonner. Ok, let's go. La femme de nuit va rendre votre femme froide au lit et va attaquer ses organes de conception. Comme conséquence, il y aura des complications. Il y a des femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais connu les hommes mais elles ressemblent aux femmes qui vivent avec les hommes. Ce parce que le mari de nuit vient le molester et joue avec leur corps chaque nuit. Le mari de nuit va causer votre mari d'être impuissant au lit. Il souffrira d'impuissance sexuelle. Le mari de nuit fera en sorte que votre mari souffre d'éjaculation prématurée et les problèmes odeurs pour vous garder loin de son partenaire. Pendant que je visitais le monde sous-marin, je fus enseigné l'occultisme et les connaissances ésotériques, qui sont subdivisées en trois. Je fus exposée à la magie blanche pratiquée dans le monde occidental. Cette magie est pratiquée par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates, et ceux qui sont à la charge des gouvernements, de l'armée, du finance. Tu ne peux pas devenir gouverneur ou président avant d'être initié dans cette forme de magie. Les gens qui sont initiés à cette forme de magie sont appelés des Illuminats et le finance mondial. La seconde forme de magie est appelée magie rouge qui est basée sur le sang et qui est pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam.
La troisième forme de la magie est appelée la magie noire qui est bas, et qui est pratiquée en Afrique. Il est bas parce qu'il consiste à tuer un homme et manger sa chair. Parlons un peu de la magie blanche. Puisque les élites occidentales qui le pratiquent sont ceux qui sont à la base de guerre dans le monde, afin de développer leur pays, ils causent la guerre qui est une forme de sacrifice humain offert aux anges déchus et aux démons. Les conflits mondiaux causés par les élites occidentales ont des racines spirituelles. Ils consistent au sacrifice humain. Par la guerre, ils offrent le sang humain aux entités interdimensionnelles qui sont les démons et les anges déchus qui se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. Les sangs humains sont offerts à Lucifer par la guerre. Le conséquence de la pratique du magie blanche peut être remarquée dans les conflits mondiaux motivés par les ressources naturelles comme l'or, le pétrole et les matières premières. Les pays ayant ces matières précieuses tomberont victimes de la magie blanche et le sang coulera. À un certain moment après avoir vécu avec la sirène, elle me dit « Joseph, vous avez besoin du trône. Vous avez besoin d'être consacré et intronisé comme triton. Comme vous le savez, la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus de sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-marin comme des tritons et des sirènes. Et aujourd'hui nous allons découvrir le processus par lequel un être humain devient une sirène ou une triton. Alors la sirène me dit, « Joseph, mon père m'a instruit que vous devez offrir 25 femmes en sacrifice afin que notre mariage soit consommé dans le monde sous-marin. C'est alors que tu seras intronisé et consacré comme triton. » Ensuite la sirène me dit, « Il y aura beaucoup d'argent sur votre lit ce jour-là. Vous allez le prendre et l'utiliser pour draguer ces femmes. Nous allons vous fournir assez de force pour coucher avec 25 femmes dans une seule journée. Et ces femmes vont mourir et par conséquent vous allez être intronisé et consacré triton dans le monde marin. » Puis la sirène me dit, « Partant du fait que le nom de Satan a 5 lettres, vous allez coucher avec 5 femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la première lettre du nom de Satan. Puis vous allez offrir 5 autres femmes dont le nom commence avec lettre A, qui est la seconde lettre du nom de Satan. Puis 5 autres femmes dont le nom commence avec T, la troisième lettre du nom de Satan qui est, ainsi de suite. Les sangs de ces femmes seront collectés pour écrire le nom de Satan pendant la cérémonie d'intronisation et de consécration dans le monde Aquarius. Puis la sirène, il vous faudra de la force pour coucher avec 25 femmes. De ce fait je veux vous envoyer dans nos églises, je veux dire 3 de nos églises car nous en avons nombreux. La sirène m'envoya premièrement dans l'église catholique. Lorsque j'y suis allé, je fus reçu par le prêtre qui me dit, « Joseph, bienvenue, je t'ai informé par la sirène de votre arrivée et je vous attendais, voici ce que vous avez besoin pour votre mission. » Le prêtre me donna un chapelet, puis le prêtre me dit, « Ce chapelet va vibrer dès que vous êtes autour de la femme qui a été ciblée et programmée pour être sacrifiée. » Après avoir quitté l'église catholique, la sirène m'envoya aux mosquées. Elle me dit que le Dieu Allah est le collaborateur de notre maître Lucifer. Je suis donc allé aux mosquées. L'imam se mosquée qui m'a accueilli litre bain car il était en communication avec la sirène des eaux ma femme. Cet imam me donna une série de prières islamiques appelées doigts. Il m'a instruit de reciter ces prières après avoir sacrifié chaque victime afin de voiler le visage et d'éviter la vengeance des esprits de ces victimes. Car quand un homme innocent est tué, il meurt avec l'image du visage de son bourreau dans son âme, et cette image est gardée dans sa mémoire. Mais pour éviter que mon image soit perçue et gardée dans la mémoire de mes victimes, je devais donc reciter ces prières islamiques. Même la Bible dit que son sang sera dans vos mains. Quand le victime connaît son bourreau, son âme demandera justice contre la personne qui l'a tué, comme ce fut le cas entre Cain et Abel. Mais pour effacer de la mémoire du victime mon identité et visage, je devais donc reciter ces prières islamiques. Le but de la prière islamique était donc d'effacer mon image dans la mémoire du victime afin de lui empêcher de me poursuivre et crier vengeance contre moi. Puis la sirène m'envoya aux troisième église qui est une secte satanique appelée Quimbangisme, et là on me donna 2 mouchoirs, verts et blancs. Je devais essuyer le visage de la victime afin d'enlever de sa mémoire mon visage. Après cela, la sirène me dit, « Joseph, vous allez commencer par coucher avec 5 femmes qui seront victimes mais pas n'importe quelle femme. » Seulement ceux qui sont ciblés et programmés. Puisque ces femmes ont des profils et des choses qui les connectent à nous, il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont des problèmes spirituels, il y a des gens qui sont dans familles ayant des alliances, des pactes et des liens qui les connectent avec le monde de ténèbres. Ces alliances sont comme des portes ouvertes permettant ou donnant l'accès libre au monde de Satan. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 16, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, et ta mère une Éthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis,
Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. La sirène m'a informé qu'il y a des gens vivent sur la terre dont nous avons l'accès libre dans leur vie, à cause du fait de leur origine, de leurs coutumes et traditions, à cause de leur lignée ancestrale et généalogique. Beaucoup de gens sont issus des lignées ancestrales attachées à des pratiques, des coutumes, des traditions et alliances qui sont des portes ouvertes et des accès libres pour le monde du diable. Les enfants de Dieu doivent se déconnecter des bagages et héritages spirituels de leur famille, et des alliances familiales. Ils doivent couper les liens et les connexions les reliant aux esprits ancestrales et aux héritages génétiques. Quand le jour J de ma mission arriva, le matin lorsque je me suis réveillé, j'ai vissé beaucoup d'argent sur mon lit comme l'avait promis la sirène. J'étais supposé dépenser cet argent le même jour. J'ai donc loué un taxi pour toute la journée afin d'être à mesure de se mouvoir d'une commune à une autre dans la ville. Comme je ne voulais pas que le chauffeur puisse me rapporter à la police, j'ai délégué un démon de la mort afin qu'il tue ce chauffeur à la fin de la journée dès que ma mission serait finie. Cela afin d'éviter la police. Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. En fait, mon salive était devenue le venin du serpent, et elle paralysait la victime qui devenait comme inconsciente. Avant de coucher avec ces femmes, je prenais du temps à faire le tire-langue avec eux afin d'injecter mes salives qui étaient le venin du serpent qui les paralysait. Et à chaque fois que je couchais avec ces femmes, la sirène des eaux, ma femme, se cachait dans la salle de bain. Et une fois que la victime est paralysée par mon salive qui était le venin du serpent, la sirène sortait de la salle de bain pour tuer ou achever la victime. Moi, je ne faisais que paralyser la victime avec mon venin du serpent. Mais c'est la sirène qui achevait la victime. Avant de tuer la victime, la sirène introduisait sa main au front de la victime et retirait le toile de la victime, qui est sa destinée et ses richesses. Après avoir capturé le toile de la victime, la sirène achevait la victime. Quand j'ai commencé cette opération, je devais commencer avec les femmes dont les noms commencent par la lettre S, puis ceux dont les noms commencent avec la lettre A, puis la lettre T, et ainsi de suite. Le chapelet que m'avait confié le prêtre catholique vibrait pour me signaler et m'y indiquer la prochaine victime. Et quand il était 19h ce jour-là, j'avais déjà atteint la 19e femme. J'étais donc fatigué. Ensuite, j'ai fait un tour à la maison pour boire de l'eau et me rafraîchir. Mais tout ceci était préparé par l'ennemi. Lorsque je suis arrivé à la maison, ma sœur était pressante. Je lui demandai de l'eau à boire. Mais pendant que je buvais de l'eau, le chapelet a commencé à vibrer pour me signaler que ma sœur était la prochaine cible. Je pouvais pas croire ou accepter ce qui m'arrivait. J'ai vérifié dehors dans la rue. Peut-être qu'il y avait une femme, mais il n'y avait personne à la rue. Quand vous travaillez avec le diable, au départ il vous donnera l'impression que votre vie et celle de votre famille est épargnée, mais en réalité dès le départ vous étiez la cible. Quand j'ai réalisé que j'allais coucher avec ma sœur et elle allait mourir, je me suis mis à débattre avec la sirène. Je lui dis: comment pouvez-vous me faire ça? Elle est quand même ma sœur. Mais la sirène avait le sang froid. Elle me dit: Joseph, si vous ne faites pas comme nous vous avons instruit, vous allez mourir. Alors j'ai donc couché avec ma sœur et elle mourit aux mains de la sirène. Je t'ai rempli de honte et de colère envers la sirène. Lorsque je suis venu à Christ, j'ai confessé à la famille que j'avais couché avec ma sœur et puis elle fut tuée par la sirène. C'était catastrophique dans la famille, mais à la fin ils ont fini par me pardonner. Après la mort de ma sœur, j'étais dans la voiture avec la sirène à mon côté lorsque le chapelet vibra. Je regardais dans la rue pour voir la prochaine cible, mais j'ai ne vu personne. La sirène me dit: regardez bien et vous allez voir. Alors que j'ai regardé, à ma surprise, j'ai vu une femme qui était folle et qui était couchée dans la poubelle. C'était incroyable. Je ne pouvais pas l'accepter. Je me suis senti trahi par la sirène. Alors je me suis mis à palabrer avec elle. Le chauffeur du taxi remarqua que j'ai parlé dans le vide, puisqu'il ne voyait pas la sirène. Mais j'ai fait semblant que je parlais à moi-même alors que j'ai palabré avec la sirène. Ceci est la réalité de servir le diable. Il vous demandera de coucher avec un cadavre, avec votre maman ou votre fille. Même avec un fou, raison pour laquelle il ne faut pas envier les gens dans la rue puisque vous ne connaissez pas les réalités qu'ils traversent. Alors la question qu'il faut se poser est ceci: pourquoi est-ce que la sirène a planifié et voulu que je puisse coucher avec cette femme folle? Dans la Bible, nous remarquons qu'il y avait un homme qui était fou, et qui vivait dans le cimetière. Cet homme avait en lui une légion de démons. La sirène savait que cette femme folle avait des multitudes de démons en elle, et une fois que je couche avec elle, ces multitudes de démons seront transmis en moi. La sirène voulait que la légion de démons qui habitait en elle puisse entrer et habiter en moi, pour changer et influencer ma personnalité et mon comportement. De cette façon, je deviendrai sans cœur et sans froid.
et ma personnalité fut changée après avoir couché avec la femme folle à cause de la multitude de démons qui m'ont été transmis par cette femme folle. Plusieurs leaders sont souvent envoyés coucher avec les femmes folles par le diable afin que les démons qui habitent ces personnes folles soient transmis en eux. Raison pour laquelle certaines personnes sont sans cœur à cause des sacrifices et réalités qu'ils racontent dans le fétichisme et l'occultisme. Ils sont sans froid et sans cœur. Ils ne sont jamais charitables à cause de ce qu'ils traversent et leur expérience. Après avoir couché avec la femme qui était folle, je me suis rendu dans un bar populaire de la ville où il y avait beaucoup de prostituées. Là dans cet endroit j'ai rencontré la dernière femme. J'ai toujours dit qu'une prostituée est un sorcier puisqu'il est exposé à toutes les sortes de personnes. Elles sont souvent fréquentées par les occultistes qui ont toujours besoin de sacrifices et du sang humain. Beaucoup de satanistes avant de mourir fréquentent les prostituées afin de décharger sur eux leurs démons. Alors après avoir dragué cette femme prostituée nous sommes entrés dans la voiture, et on roulait vers un hôtel de la place. Mais en cours de route cette femme me dit, « Moi et ma sœur nous faisons ce travail depuis longtemps. » Mais ma mère nous étonne avec son engagement pour ces histoires des églises. Elle nous dit en tout temps que nous allons servir Dieu. Et elle dépense tout son argent chez ses pasteurs corrompus et ses églises, raison pour laquelle nous sommes en conflit avec elle. En écoutant cette dame prostituée j'ai compris que sa mère se battait pour leur salut dans la prière. Bon ceci ne me disait rien. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la dame prostituée ouvra son sacoche pour prendre le préservatif. Mais elle réalisa que par erreur elle avait mis dans son sacoche la Bible de sa mère et l'enveloppe de sa mère contenant de l'argent de la contribution de la construction de l'église. En ce moment même la disposition de son cœur changea, elle me dit qu'elle devait retourner à la maison pour rendre sa mère l'enveloppe de la contribution de l'église puis elle va revenir. Je m'opposa à cette suggestion et proposition car il était presque minuit, et si je n'accomplis ce dernier sacrifice j'allais moi-même mourir. Je lui proposa donc d'augmenter le prix qu'elle m'avait demandé, mais à ma grande surprise elle refusa. Je lui proposa de lui donner 10 fois le prix de son tarif, mais elle refusa. Alors je me suis dit il va être minuit, je n'ai pas le choix, je dois donc la violer, mais je ne savais pas que Jésus-Christ était en train de se battre pour sauver la vie de cette dame prostituée à cause de la prière de sa mère et ses contributions financières pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les gens qui disent ne paie pas ta dîme, ne paie pas les dîmes, ne donne pas les offrandes. Regardez, regardez, à cause du fait que cette fille-là, elle soutient sa mère financièrement pour, dans l'œuvre de Dieu, Dieu l'a protégée de la mort, d'une mort certaine, bien qu'elle soit prostituée. Vous voyez comment Dieu est bon, il est amour. C'est pourquoi il demande à ce qu'on ne juge personne. Hey! Mes frères et sœurs, c'est impressionnant. Partagez ce témoignage à tout le monde. Si vous êtes dans la prostitution, Jésus vous aime. Il veut vous avoir avec lui. Revenez sur son chemin et lui-même, il va vous aider. C'est incroyable, c'est impossible. Regardez, que va-t-il se passer? Écoutons-le s'il vous plaît. Comme le temps courait, j'ai tenté de la violer, mais elle était devenue trop forte et elle a poussé des cris pour alerter les gens dans l'hôtel. Quand les travailleurs de l'hôtel sont venus j'ai tenté de le corrompre mais ils ont refusé. Puis la dame prostituée s'en alla. Cette dame était sauvée grâce aux prières de sa mère et à ses contributions financières à l'église. Voilà. Après son départ j'étais restée la seule à l'hôtel et il était minuit. J'attendais la mort ou la folie. Je savais qu'une fois vous avez failli dans le royaume de Satan il n'y a pas de compassion. Les règles sont rigides et doivent être respectées. J'avais offert 24 personnes au lieu de 25 comme l'avait prescrit la sirène. Je savais que le pire m'attendait. De ce fait je suis mis à boire afin de m'enivrer pour que la mort me trouve dans un état d'ivresse. Mais à ma grande surprise je n'étais toujours pas ivre. Il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas échapper à la gravité de votre situation par l'ivresse. Et quand j'essayais de dormir la sirène entra dans la chambre. Elle était extrêmement en colère. Au fait elle était en accompagnée par deux entités qui étaient des tritons. Leur partie supérieure était humain mais leur partie inférieure était celle de poisson. Je savais qu'il était venu m'achever. Puis la sirène me dit, « Joseph, donne-moi. » Je lui répondis en se plaignant, « Que voulez-vous que je vous donne ? Je vous ai donné 24 personnes au lieu de 25. Et à cause d'une personne vous voulez me tuer ?» La sirène me répondit, « Nous ne travaillons pas comme ça. Je vous ai demandé 25 personnes vous devriez me donner 25 âmes, mais vous avez une fois de plus échoué. » Comme j'ai remarqué que la sirène était extrêmement en colère je me suis mis à genoux. J'ai commencé à la supplier de ne pas me tuer puisqu'il semblait décisive. Alors la sirène me dit, « Joseph, remets-moi le chapelet, la prière islamique et les deux mouchoirs. » Ce que je fus, puis j'ai vu la sirène des eaux discuter avec les deux esprits ayant la partie inférieure semblable au poisson.
Quand elle discutait avec ses deux tritons, je pensais qu'il était en train de discuter comment me tuer. Puis la sirène me dit, « Joseph, vous avez une dernière chance. Donnez-moi votre sang. Donnez-moi un membre de votre famille. » Alors la sirène fit un signe avec sa main, et comme reçu un miroir magique apparut. Elle m'ordonna d'appeler le nom de mon père dans le miroir. Je me suis mis à appeler le nom de mon père, et comme résultat son image apparut dans le miroir magique. Normalement la sirène était supposée la tuer, mais elle me dit, « Joseph, votre père travaille pour nous, il est en alliance avec nous, donc nous ne pouvons pas le tuer car c'est notre agent. » En fait, mon père était proche du président Mobutu, et le cercle du président Mobutu étaient tous des occultistes. Alors la sirène me demanda d'invoquer ma mère afin qu'elle puisse apparaître dans le miroir magique. Je me suis donc mis à appeler le nom de ma mère en insistant, mais quelque chose se produit. Le feu est sorti de la miroir. J'ai remarqué que ce feu a poursuivi la sirène et les deux tritons, et j'ai les entendus hurler et pousser des cris d'angoisse et terreur. Je ne savais pas que ma mère était un chrétien né de nouveau. Nous avons donc été attaqués par ce flamme de feu, mais Dieu m'épargna. Ce sont ces esprits des eaux qui ont subi cette attaque. Les sorciers et les occultes peuvent surveiller les chrétiens dans des miroirs magiques, mais ils ne peuvent pas le toucher. Ils utilisent la stratégie qui consiste à offenser le chrétien afin d'avoir accès sous la porte ouverte leur permettant d'atteindre le chrétien. Après ce feu, la sirène m'y instruisit de ne plus appeler le nom de ma mère dans le miroir. Puis la sirène me dit, « Vous avez un fils ?» Je lui ai répondu affirmative, « J'ai eu un fils avec une femme bien que ma famille n'est pas au courant. » Alors la sirène me demanda d'appeler le nom de mon fils dans le miroir, et comme conséquence mon fils apparut dans le miroir magique. Ensuite la sirène me donna un couteau. Elle me demanda de poignarder l'image de mon fils dans le miroir. Dès que je le fais, j'ai remarqué que mon fils trembla et il se croulait dans le coma. Sa mère paniquait. Je vous informe que la plupart de morts subies et des arrêts cardiaques sont des attaques mystiques et sorcelleriques. Par conséquent, seule la prière au nom de Jésus-Christ peut sauver la victime. Mais la mère de l'enfant était un non-chrétien, donc elle a couru à l'hôpital et comme résultat l'enfant mourut. Quand l'enfant mourut, la sirène et les deux tritons m'applaudirent, et ils m'ont félicité en disant « Félicitations, vous êtes brave », alors que moi j'ai pleuré mon fils. La sirène me dit « Tu te prépares car demain nous viendrons te prendre pour le voyage dans notre monde sous l'eau pour la cérémonie du mariage dans lequel tu seras intronisé et consacré comme triton. Ils m'ont promis de venir comme eux et d'avoir leur puissance après cette consécration. » Waouh! Vous avez vu, vous avez entendu ce qui était passé. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Ce témoignage n'est pas terminé. Vous avez vu? Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Même regardez la vidéo qui va s'afficher à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Nous vous l'avons dit déjà à l'introduction. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ici. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Pour pas vous pour le prochain témoignage, témoignage puissant. 4, ça va être chaud. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et let's go. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et que vous bénisse. Encore une fois, prenez soin de vous. N'ayez pas de rapports sexuels de toutes ces années. Prenez soin de vous marier d'abord avant d'avoir des rapports sexuels. Parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Qui va garantir tout simplement votre protection. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.